je dirais, avant de parler de la Croix-Rouge sur fond blanc, il faut parler du but pour lequel un emblème est adopté. Et il est intéressant de voir que l'idée d'un emblème unique, elle est lancée avant même la fondation de la Croix-Rouge par un médecin français, médecin de très haut rang, l'inspecteur général Lucien Baudens, qui, dans un article sur la guerre de Crimée, relève la façon dont les brancardiers se font tirer dessus alors qu'ils vont relever les blessés. Et Baudens ajoute, de telles méprises n'arriveraient pas si l'on adoptait un emblème, le même dans tous les pays, pour signaler les services de santé. Baudens publie cet article dans la Revue des Deux Mondes, qui est la revue la plus prestigieuse de l'époque, mais hélas, il meurt tout de suite après, probablement des suites de maladies qu'il avait contractées lors de la guerre de Crimée, et personne ne donne suite à cette idée. Que Dunant ou ses proches, les membres du Comité international de la Croix-Rouge, vont en quelque sorte réinventer lorsqu'ils se posent la question de la création de sociétés de secours volontaires. Ils n'avaient sans doute pas connaissance de l'article de Lucien Baudens, sans quoi ils auraient pris appui sur une telle autorité. Mais ils se posent la question, si l'on envoie des volontaires, des infirmiers volontaires pour soigner les blessés sur le champ de bataille, eux aussi vont se retrouver parmi les blessés. Donc, il faut les protéger. Pour les protéger, il faut qu'ils soient reconnus, il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'ils soient identifiés par un emblème et que cet emblème soit le même dans toutes les armées. Donc, l'idée de l'emblème unique, c'est le point de départ. Le docteur Louis Appia, l'un des 5 fondateurs du CICR, va lancer l'idée d'un emblème unique pour protéger les soldats blessés et les ambulances sur le champ de bataille. Une croix rouge sur fond blanc. Messieurs, il nous faut choisir un drapeau. Le délégué de la Hollande, le docteur Basting, propose qu'il soit blanc, orné d'une croix rouge, à l'inverse du drapeau suisse, en hommage au pays où cette grande idée a pris son essor à travers le monde entier. Adopté à l'unanimité. Donc le point de départ, c'est l'idée d'un brassard blanc. Pourquoi le blanc? Parce que c'était, depuis une époque très ancienne, soit la couleur de celui qui se rend, soit la couleur du parlementaire, c'est-à-dire celui qui va apporter un message à l'armée ennemie et qui doit être reconnu comme non-combattant par le fait qu'il porte un drapeau blanc. Donc il y avait cette idée, en quelque sorte, drapeau blanc égale suspension du feu. Mais on a voulu être plus précis en disant suspension du feu liée à la santé. Le rouge, probablement, il y a l'idée du sang. La croix, parce que c'est un symbole très visible, parce qu'en vérité, la croix est un symbole d'humanité bien antérieur au christianisme, puisque c'est au fond un symbole de l'être humain dans le monde, avec une branche horizontale qui est le lien avec ses semblables, avec les autres humains, et puis un axe vertical, qui est le lien avec Dieu, avec la divinité. L'un des éléments qui fait la force du symbole et qui en fait assure le respect sur le champ de bataille est le fait qu'il soit le même dans nos propres troupes et chez l'ennemi. Donc finalement, de distinguer en quelle sorte ce n'est pas une ambulance française, ce n'est pas une ambulance allemande, ce n'est pas une ambulance britannique, c'est une ambulance qui soignera les blessés français ou allemand ou britannique. C'était ça l'idée de départ. À partir du moment où chacun utilise un symbole différent, le risque de violation est beaucoup plus grand. Tous les États signataires de la première convention de Genève adoptent en 1863 comme emblème unique la croix rouge sur fond blanc. Mais ce symbole va être contesté. En 1876 éclate la guerre russo-turque, ou on devrait dire plus exactement russo-ottomane, consécutive d'ailleurs à une guerre qui avait éclaté en Serbie et en Bosnie-Herzégovine peu auparavant, et la Russie s'était portée au secours de ses protégés, la Serbie et le Monténégro, contre l'Empire ottoman. À ce moment-là, en Europe occidentale, il y a une très forte dénonciation publique du comportement de l'armée ottomane, et l'Empire ottoman réagit en disant
C'est le symbole qui fait obstacle au respect de la Convention de Genève par nos troupes. Et l'Empire ottoman annonce que tout en respectant la Croix-Rouge qui signale les ambulances russes, l'Empire ottoman va dorénavant utiliser un croissant rouge sur fond blanc pour signaler ses propres services de santé. L'utilisation unilatérale par les armées ottomanes du croissant rouge va remettre en question le choix du CICR. Le CICR est dans un grand embarras. D'une part, le CICR a le souci de préserver l'intégrité du traité, et le traité postulait l'idée d'un emblème unique, le même dans tous les pays, et dans le même temps, on est bien conscient que si l'on ne donne pas satisfaction à l'Empire ottoman, le risque, c'est que l'Empire ottoman dénonce purement et simplement la Convention de Genève, ou l'ignore avec les conséquences dramatiques que l'on peut imaginer pour les blessés et pour les services de santé. Après l'Empire ottoman qui revendique le croissant rouge, c'est à la Perse, aujourd'hui Iran, de revendiquer un autre emblème, le lion et soleil rouge. Il est reconnu par les États en 1929, mais tombe en désuétude 50 ans plus tard avec la révolution islamique qui adopte le croissant rouge. Pour les pays qui utilisent déjà pour la protection de leurs hôpitaux, de leurs services de santé, le croissant rouge ou le lion à soleil rouge, symbole utilisé par la Perse, ces symboles sont également reconnus comme symboles au sens de la présente convention. Donc l'idée était de dire on va accepter le fait accompli s'agissant de l'Empire ottoman, de la Perse et à ce moment-là également de l'Égypte, c'était trois pays, et on prévoyait par cette formule d'empêcher l'adoption d'autres symboles. Évidemment, ça n'a pas tenu le coup, puisque très rapidement après, le CICR va être confronté à deux demandes, il ne faut pas exagérer les nombres, deux demandes, l'une de l'Afghanistan, demandant la reconnaissance d'une mosquée rouge sur fond blanc, et les Afghans déclarent « le croissant rouge, ça ne va pas du tout, parce que c'est lié à l'Empire ottoman, ça ne nous convient pas du tout », et puis la demande d'une société en formation en Palestine, qui était à l'époque sous mandat britannique, donc sous colonisation britannique, la demande de reconnaissance d'une étoile de David, rouge sur fond blanc, le nom Magen David Adom en hébreu. Au moment où la demande est faite pour le Magen David Adom, de toute façon, la Palestine mandataire ne pouvait pas devenir partie aux conventions de Genève puisqu'elle était sous administration britannique. Survient la guerre de 1948, amenant la division de l'ancienne Palestine mandataire, la formation de l'État d'Israël. L'État d'Israël va demander à la conférence suivante, celle qui se réunit en 1949 pour réviser les conventions de Genève sur la base des expériences de la Deuxième Guerre mondiale, demander la reconnaissance de l'emblème du bouclier de David rouge sur fond blanc, au même titre que la reconnaissance du croissant rouge et du lion et soleil rouge. Ça va donner lieu à un débat très difficile, très passionné dans le cadre de la conférence diplomatique, débat qui finalement se conclura par trois votes successifs, et dans les trois cas, il n'y aura pas de majorité pour soutenir la proposition israélienne. Alors, fallait-il modifier les conventions de Genève ? Pour cela, il fallait une majorité des deux tiers, et l'analyse très claire était qu'il n'y avait aucune chance de réunir cette majorité des deux tiers en vue de la reconnaissance du signe demandé par Israël. En plus, la reconnaissance de ce signe aurait certainement pu poser des problèmes à certains autres pays qui auraient dit « Mais écoutez, comment peut-on croire que la Croix-Rouge, le croissant rouge n'ont pas de signification religieuse si vous avez maintenant un troisième emblème ?» Le bouclier de David. C'est l'impasse avec Israël. Les États refusent de reconnaître le Magen David Adom, le bouclier de David rouge. Le CICR entend néanmoins trouver une solution acceptable, mais le débat va durer des décennies. Alors, quelle solution adopter ? Un emblème nouveau pour tout le monde. Les utilisateurs de la Croix-Rouge et les utilisateurs du croissant rouge y étaient opposés. D'où l'idée d'adopter un emblème additionnel, qui serait reconnu
à côté de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui serait libre de toute connotation politique et religieuse, qui serait simple à produire. Donc, il n'y a pas 10 000 solutions, ça pouvait être un cercle, mais alors, ça nous aurait mis en conflit avec le Japon, qui utilise le cercle rouge sur fond blanc, pays du soleil levant, et qui étions-nous pour dire aux Japonais « soyez assez aimables de renoncer à votre emblème ?» Évidemment, ça aurait été parfaitement absurde. Ce symbole, qui a aussi l'avantage de la simplicité, de l'élégance, d'une bonne visibilité, on a fait faire des tests de visibilité de l'armée suisse dans différentes conditions, d'ensoleillement, de brouillard, etc. Il y a tout à fait la même visibilité que la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. Il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Et puis, pour le nom de Cristal, également, on a fait des tests dans une quarantaine de langues différentes, en allant interroger les gens, qu'est-ce qu'évoque pour vous l'idée de Cristal ? Et de façon très générale, le cristal, c'est un symbole de pureté. C'est un symbole associé à l'eau, source de vie. Donc, le terme de cristal convenait très bien. En plus, sur des plans euphoniques, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Cristal-Rouge, sur l'abréviation, les mêmes initiales dans de nombreuses langues, toutes sortes d'éléments militaient en faveur de cette appellation.